Yo les gens, ici Rafé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frankbus. Nouveau trajet aujourd'hui de Pologne. Donc on va partir de Gdańsk jusqu'à Kozalin. Donc c'est parti, je sais pas combien de kilomètres à faire, on va voir combien de kilomètres à faire aujourd'hui. Donc c'est parti, du coup on va partir avec un Comfort Class S516 HD avec le skin Euroline.com. Donc Euroline c'est une société de bus qui existe, hein. Donc l'Europe à votre portée. Vraiment assez joli, je trouve. On va prendre celui-là. Donc là, je vous fais la vidéo, il est 7h13 du matin. On est le 2 avril. Donc c'est parti. Donc là, je suis levé de bonne heure depuis ce matin, là. Peut-être trop dormi. Bah, je suis couché hier, il était 11h. Donc même, malgré que je travaille pas, je me couche quand même des bonnes heures pour avoir quand même un rythme assez. Alors, pour que je me lève pas à 11h du matin, quoi. Donc voilà, juste avant de commencer, on va faire la petite miniature comme d'habitude, hein, parce que je vais pas. Ah, Wi-Fi qui fonctionne pas, donc ça commence déjà mal. Hop, enfin, juste cette miniature comme ça. Voilà. On va se mettre 0, on va se mettre bien. Hop. Faire une belle petite miniature, voilà, une petite miniature, voilà. Hop, comme ça. Voilà, hop. Est-ce qu'il y a du monde ou pas aujourd'hui? Oui, il y a du monde. On va pouvoir démarrer le bus. Tac. Alors, démarrer mon petit bus avant de partir. Bon, de toute façon, on va ouvrir toutes les portes, non? Voilà. Mettre les phares. Il fait jour. Bah, il fait jour. C'est le matin, quoi. Donc, ça, on le met pas. On va mettre la petite veilleuse. Voilà. On va mettre la. Sauf la wifi, parce que la wifi fonctionne pas. Donc, on va pas la mettre, ça sert à rien, la mettre. Normalement les lumières sont allumées normalement. Ça c'est bon. Hop. Voilà petite soute. Voilà. Alors. Bonjour. Donc ça c'est bon. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bah, les tickets on les fera après, c'est pas grave. Bonjour, oui c'est bon. Bonjour, bon, ça va, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Je vois qu'on est le matin de bonne heure. Ah, faut que je vous explique que j'ai eu un bug hier sur YouTube. Bah, c'est pas un bug méchant, mais alors, je sais pas pourquoi ça fait ça, je vous explique en roulant. Je vais voir, c'est pas un gros bug, hein. C'est y a rien de grave, mais bon. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. C'est où ça? Là, Kozalin. J'essaie de pas trop mettre ma bouche près du métro. Oui, le métro. Le métro, excusez-moi. Voilà, c'est bon. On va y aller, tout le monde est monté. Il commence à faire jour. Tout le monde est là, ok, ça c'est bon. La petite voix. Non. Ici. Ensuite, le frein à main. Après le frein à main, je peux le faire directement. Ah oui. Alors, ce que je voulais dire, je sais pas si tu vas voir ma vidéo. Comment il s'appelle? Merde. Fafan. Donc, en fait, quand t'as un bug sur PlayStation, alors je sais pas si vous l'avez ce bug-là, mais des fois vous pouvez pas démarrer le voilà sur PlayStation. Donc moi je vous conseille, parce que moi c'est ce que je faisais sur PlayStation hein, quand il y avait un bug, quand je pouvais pas démarrer le varier. Vous allez jusqu'en haut là, donc avec votre manette, et après vous redescendez là. Et là normalement ça fonctionne. Moi c'est ce que j'avais comme bug sur PlayStation et ça résolvait mon problème. Donc démarrer le voyage, oui. Voilà. On va y aller, par contre faut que je passe à gauche, oui là-bas. Ok, vraiment j'ai enlevé ou pas? Donc c'est parti, on y va. Donc je sais pas combien de kilomètres à faire. Voilà. Bonne idée. Bonne idée. Bonne question. Bonne idée, ça veut rien dire. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, je voulais vous en parler de mon petit bug que j'ai eu hier sur YouTube.
Bah en fait, c'est pas un bug, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, en gros, samedi soir, je publie une vidéo sur YouTube. Non, dimanche soir, parce que on est mardi aujourd'hui. Dimanche soir, je publie une vidéo sur YouTube et comme vous savez, moi souvent mes vidéos Fangbus, je les programme. En fait, en gros, c'est pour ça que la vidéo sera à 10h du matin parce que je la programme d'avance. Une vidéo en pire, en gros, je fais une vidéo de capture. Là, c'est pareil, cette vidéo-là, je vais la publier aujourd'hui, demain, pour demain matin, parce que ma vidéo d'aujourd'hui est déjà prête. Donc, là, on a 237 km à faire. Donc, la vidéo, je la programme d'avance. Donc, je la mets à 10h du matin. Et hier matin, donc on était lundi matin, je me connecte sur YouTube. Puis, je vois vidéo publiée. C'est quoi ce truc-là? Je vois vidéo publiée depuis 25 minutes. Je regarde l'heure, je fais. C'est bizarre, elle est que 9h. Donc ma vidéo, alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu le changement d'horaire? La YouTube elle m'a publié ma vidéo une heure en avance. Mais pour, ça n'a pas de logique parce que moi je publie ma vidéo à 10h. Moi il aura dû la publier à 11h. J'ai pas compris. Pourquoi ça a fait ça? Je vais regarder aujourd'hui, j'ai publié ma vidéo à 10h. On va voir si ça fait le même bug. Est-ce que c'est parce que on a changé d'horaire en France et YouTube s'est pas mis à jour? Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Aucune idée. Alors là, on va voir aujourd'hui si ma vidéo va sortir à 10h ou à 9h. Après, en soi, c'est pas grave. Hein. Moi, je m'en fous que la vidéo soit sortie avant ou après. On trouve rien là. Oh, que dalle avec le soleil. Par contre, ça fait un bel effet, par contre. Ça fait un très bel effet. Ah, voilà. C'est comme ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Bon, bah, le principal, c'est que ma vidéo a été publiée. A été publiée plus tôt. We can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Donc là j'ai fait la demande hier sur un site. Alors c'est un site que je vais. C'est rare que j'ai demandé des clés. Donc c'est un nouveau site, pas un nouveau site. Un site que j'avais demandé déjà des clés mais ça a été refusé. Donc là j'ai fait une demande pour une clé de House Flipper 2. Donc je sais pas si je vais avoir l'accord ou pas. Donc on verra bien. Wow. Ah, ça a touché. Oh. Ça a touché. J'ai pas fait attention. Ça a touché. Tu vas pas être bien réveillé ce matin. Ça va, les PNJ, ils ont rien dit. On va se coller à 80. 10 même. Donc j'ai toujours pas eu ma réponse, hein, que j'ai posé une question sur... sur YouTube, là, dans une des vidéos, que les bus c'est bien autorisé à 90 sur l'autoroute ou 100. La dernière fois, moi, je vous dis, moi j'ai eu une amende sur le jeu. Hein. Donc, je pense qu'après, quand j'aurai fini le DLC Pologne. Je vais essayer de vous publier une vidéo tous les deux jours, peut-être, parce que tous les jours, c'est pas que c'est énorme, mais ça fait beaucoup. Et après, pendant mes congés, quand je vais partir en vacances, quand je vais partir en vacances, je ferai une vidéo tous les deux jours. Je pense que c'est le rythme que je vais faire une vidéo tous les deux jours, parce que tous les jours, c'est énorme, quoi. Malgré que ce mois-ci, j'ai gagné pas mal d'argent sur YouTube, pas mal. Je suis à presque 60 balles en un mois. 60 euros en un mois. Après, normal, hein, tu fournis plus de vidéos, forcément, tu gagnes plus d'argent. C'est un peu normal. J'ai gagné 60 euros ce mois-ci. Donc le mois prochain, ouais, le mois prochain. Quand ça va cumuler avec pas mes revenus, mais quand ça va cumuler avec mon mois de février, je devrais être à 120 euros en deux mois. Donc, ça va, c'est bien, franchement. Ça va me permettre d'acheter. Touquet 25, le jeu ça me ferait
comme si je l'avais gratuit, quoi. Donc ça c'est cool, franchement. Quand il avance pas, il m'énerve, lui. Donc c'est cool. Ah par contre le jeu j'ai me dépêcher de faire la vidéo découverte parce que moi je pars en vacances le 27, alors le jeu sort le 26. Donc ça va être chaud. Non même pas, il sort le jeudi ou le vendredi. Je crois qu'il sort le vendredi 27, 26 je crois. Le jeu il sort. Parce que moi je pars le 26 en vacances. Le 27 excuse-moi. Donc forcément bah... Par contre il n'y a pas de pause à faire je pense pas. Non c'est bon. Donc on verra bien. Faut que je... De toute façon moi si je l'achète à Leclerc, souvent les jeux je les paye 52 € à peu près. Bah le jeu moi dès le matin, dès qu'il sort, dès qu'on est le matin, moi je voulais vous dire de Leclerc, je vais chercher le jeu puis la vidéo découverte je vous la fais dans la journée puis ce sera publié. Au pire la vidéo, au pire allez, si vraiment j'ai pas le temps de publier ma vidéo, bah je la publierai aussitôt. Mais si elle est pas maintenant, le traitement est pas fait, mais normalement j'ai le temps, parce que nous en vacances on part à 10 h du matin le 27, donc c'est pas comme ça qu'on part à 5 h du matin. On part à 10 h parce que le camping, les arrivées, c'est à partir de 16 h. Donc malheureusement, on est obligé de partir le matin à 10 h. On va se manger un truc le midi, dans un petit restaurant d'autoroute. Et après, on reprend la route. Et j'ai vu avec ma compagne, j'ai dit même si on arrive à 15 h là-bas, c'est pas grave, on demande si la chambre... Si la chambre... Si le mobil-home est prêt, s'il n'est pas prêt, on va aller faire les courses. C'est pas grave, on va faire ça. Comme ça, on va gagner du temps. Donc on verra bien. Oh allô, l'avion il a fait demi-tour là. Ah non, je crois que c'était le même avion. Ouais, il y a un aéroport dans le coin pour qu'il y ait des gros avions comme ça. Donc voilà. C'est ce que je vais faire de toute façon. Moi le jeu sort le 26. Et j'essaierai de sortir ma vidéo le 26. En espérant que le jeu se fait bien. Parce que j'ai vraiment peur que... Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais comme en gros... Il n'y a pas des gros stars apparemment ce temps. Ils ont pas, à part Federer qui a été annoncé, mais après franchement c'est pas des gros stars, il y a même pas Nadal, il y a même pas Djokovic, donc à mon avis ça va pas être terrible. Hein. Moi c'est ça qui me fait peur, j'ai peur qu'on ait des stars de tennis, mais Wish quoi, pas les meilleurs on va dire. Donc après il y a André Agassi, mais André Agassi ça fait combien de temps qu'il a arrêté le tennis? Ça fait au moins une vingtaine d'années. Donc c'est pas voilà, ils auraient pu mettre ils auraient pu mettre Tsitsipas, des stars du moment quoi. Wawrinka, tout ça quoi. Vraiment des stars du moment. Pas mettre des stars d'il y a 20 ans quoi. On s'en fout des stars d'il y a 20 ans nous. Nous ce qu'on veut c'est des tennismen du moment quoi, pas les anciennes stars. Je sais pas, ou soit les mettre en DLC au pire. Pour ceux que ça intéresse, les mettre en DLC légende. Mais là, ça me fait un peu peur quoi tout ça. Bon, heureusement que j'achète pas le jeu à Micromania parce que 80 balles le jeu, même sur le store, il est à 80. Ouais, je crois qu'il est à 70 balles sur le store. Moi je vais acheter le jeu 52 € à Leclerc, donc voilà quoi, c'est un peu. Donc on verra bien. Oui, il y a une ville. Il y a une ville au loin. Là, on voit une ville au loin. Je sais pas si vous, bah, vous voyez. Juste en face là. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, la semaine prochaine, je vais peut-être alterner. Je vais faire une vidéo. Je ferai une vidéo PC et une vidéo PS5 sur fin de bus. À partir de lundi prochain. Je ferai une vidéo PS5, une vidéo PC, une vidéo PS5, vidéo PC. Comme ça va changer un peu. Je vais revenir un peu sur la version console. Comme il y a une nouvelle mise à jour, il y a un nouveau DLC. Anvol qui va sortir. Anhull. Donc on verra bien.
merde. Ah, malgré que je suis levé que j'ai bien dormi, je baille quand même. Bah souvent il me fait bailler hein, le jeu fin de bus. Comme c'est monotone, vous roulez sur la route, tout. Ah c'est sûr, de toute façon vous n'avez pas roulé dans le ciel. Mais sur le cramé là. Oh, c'est bizarre. Oh, ça sent le chaud, je sais pas c'est quoi qui sent le chaud comme ça, mais ça sent le chaud. Je vais voir de l'autre côté, dans ma salle. Non, c'est pas mon PC, j'ai cru que c'était le PC, mais non. Je vais quand même aller voir vite fait dans ma salle parce que ça sent le cramé, ça sent... ou ça c'est dehors, non? Oh non, c'est bizarre. J'ai senti une odeur de. Comme si c'était un truc cramé. J'arrive, j'en ai pour 30 secondes. Non, 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 c'est pas par là. Bon, je sais pas d'où ça vient. J'ai senti que l'odeur de cramé. Ah, je pense pas que c'est le PC parce que le PC il ventilait bien donc. Bah non, c'est bon. J'ai cru, je suis désolé. La petite frayeur d'un coup là. Ouais, donc là au niveau jeu, j'attends pas grand chose au niveau jeu, à part au sniper, mais pour l'instant je sais pas où sniper si je le prends ou pas, parce que bah si je vois que là il a repoussé le jeu encore une fois, je pense que je vais pas m'amuser à le prendre, je prendrai peut-être Planet Zoo à la place. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais bon. C'est. C'est assez saoulant quoi, c'est. En plus, on n'a pas de nouvelles, le jeu sort le 10 avril, on peut toujours pas te précommander sur le store. Le 10 avril, c'est la semaine prochaine. Hein. Donc le 9, c'est mardi, et le 10, c'est mercredi. Donc le jeu sortirait mercredi prochain, mais il n'y a toujours pas de précommande, on peut toujours pas précommander le jeu sur le store. Donc je sais pas pourquoi. Alors là, aucune idée pourquoi c'est comme ça. Ça paraît vraiment bizarre. Vraiment chelou tout ça. Ah, moi j'aurais bien voulu vous présenter Planet Zoo, mais le problème, bah j'ai pas eu de clé, malheureusement. Sinon, ça sera pour remis pour plus tard, peut-être que quand il sera pas trop cher, qu'il sera moins cher. Bah, moi au moins j'aurais voulu avoir, au moins, j'aurais bien, moi de mon côté,
Parce que j'aurais voulu avoir au moins le jeu de base. Comme ça, moi, je me serais acheté de mon côté le Season Pass. En fait, ça m'aurait fait payer que le Season Pass parce que le jeu de base, il est à 50 balles sur le store. Et le Season Pass, il est quand même à 60. Bah, il coûte plus cher que le jeu. Il est à 59 euros, je crois, ou 69 euros, je crois. Mais le Season Pass vous offre tous les DLC. En fait, vous prenez le Season Pass, vous avez tous les 14 DLC qui sont prévus sur le jeu. Donc, 14 DLC, ça vaut vraiment le coup parce que moi j'avais regardé, je crois que sur Steam, si vous prenez tous les DLC avec le jeu de base, vous en avez largement pour plus de 250 euros. Que là, ça vous fait 69 euros tous les DLC, donc ça vaut le coup. Bah, 69 euros, ça vaut vraiment le coup parce que dites-vous que sur PC, un DLC c'est 9,99 €. Donc, s'il y en a 14, ça vous fait 140 balles. On va dire 150 euros. Pour tous les DLC que là, tous les DLC sur console, ça vous coûte que 69 euros. Donc, c'est presque moitié prix. Donc, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'aurais voulu au moins avoir une clé pour Planet Zoo. Comme ça, moi de mon côté, j'achète quand je voudrais, je pourrais acheter le Season Pass. Mais j'aurais attendu de finir toutes les missions du jeu de base. Vous voyez ce que je vous disais, hein, ce que j'avais dit à un abonné la dernière fois de ma chaîne. Vous voyez, l'IA tourne vraiment bien sur l'autoroute, il n'y a pas de problème, ça ralentit pas. C'était corrigé le bug de l'IA qui sur les autoroutes qui avançaient pas. Je pense que là, on va pas tarder à sortir de l'autoroute. Je pense que le pas tarder à sortir normalement là. Ah, on va sortir, ça y est. Non, c'est vraiment au dernier moment. Hein. Il nous reste 7 km à faire. Mais c'est passé quoi? Il y a des travaux ici. Bizarre. Il n'y a personne. Je peux y aller. Vas-y, coupe-moi la route, j'ai cru que le mec allait me couper la route. On arrive en ville, peut-être ralentir un petit peu. Non, en fait, on arrive bientôt. On est bientôt arrivé. Ah, oh, mais. Pas chiant le mec! Pas me laisser passer le mec.
Bientôt arrive à destination, ça c'est cool. Peut-être que je vais voir si j'ai le temps de faire une deuxième vidéo aussitôt là. Bon, ça c'était quand même vite, ça va. Ça n'a pas été trop long. Ah, on arrive directement là. Ah, c'est directement au bord de route l'arrêt. Ah non, c'est là. Ah, j'ai pas fait ma miniature. Oui, j'ai fait ma miniature, excusez-moi. Je l'ai fait. Du coup, je l'avais pas faite, mais je l'ai faite. Ah, ça va, l'arrêt de bus est juste là. C'est cool. Bah, cool. Façon de parler, quoi. La nouvelle gare déverrouillée. Hop. C'est bon. Hop. Là, on est arrivé. Tout le monde est parti. Tout le monde est descendu, je veux dire. Tout le monde est parti. Vous pouvez prendre vos bagages. Je ferme les portes. Et on va y aller. C'est terminé ce voyage. Ah, un bug. Je crois qu'il y avait un bug. Non, c'est un poteau. Ah, c'est ça qui me gênait. Je merde, je crois qu'il y avait un. Ah, la petite gare, elle est vraiment pas mal, la petite gare là ici. Sympa. Hop, on va faire ça. Se déconnecter. Alors, du coup. Donc là, c'est bien. On est bien. Ah, bonus horaire exact, j'ai pas eu. Arrivé ponctuel, je l'ai pas eu. Pourtant, j'ai pas roulé trop vite. Hein. Code de la route, je suis bien. Et. Ah, distance de sécurité. Oh, je suis à 100%, c'est super rare. Donc on va préparer tout de suite le prochain trajet, que ça sera déjà fait. Alors du coup, supprimer celui-là. Hop. On va faire un nouveau trajet. Du coup, c'est toujours en Pologne. On va faire Gadzolain jusqu'à ici. Donc Stentin. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Je crois que c'est en Pologne, je crois que c'est pas. Non, c'est en Pologne ici. Je crois, hein. Oui. Donc ça c'est bon, on a 205 km à faire. Hop, je suis regardé. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, commenter mes vidéos. C'est bye bye, portez bien. Peace.